Dans la vie, vous choisissez vos amis parce qu'ils sont gentils, drôles ou généreux, mais si en plus ils peuvent vous sauver la vie, c'est vraiment des amis spéciaux. Patrick a 13 ans. Il fait de la natation depuis qu'il a 4 ans et il maîtrise les techniques de premiers soins, dont la méthode Emlich. Une technique qui lui a permis de sauver son ami Marc-Alexandre la semaine dernière. Okay. J'ai mangé mon dîner, ensuite j'ai pris un morceau de steak et j'ai commencé à manger. J'ai vu que c'était pris dans ma gorge. Quand je ne pouvais plus respirer, j'ai juste pensé à qui pourrait m'aider et je savais que Patrick allait faire le cours de sauveteur. C'était plutôt comme un réflexe parce qu'il n'y avait rien qui passait dans ma tête à ce moment. C'était juste, je l'ai vu et je me disais que je devais faire cela parce que je savais comment le faire. Et c'était pas la première fois que Patrick se sert de ses connaissances pour sauver quelqu'un. L'an dernier, c'était sa mère qui s'était étouffée en mangeant. La méthode Emlich, c'est une façon de mettre de la pression sur les poumons pour faire sortir ce qui est pris dans les voies respiratoires vers le haut. Mais il faut connaître la technique pour la pratiquer. Le nom vient de celui qui l'a inventé en 1974, le docteur Henry G. Emlich. À son école, on a remis à Patrick les grands honneurs pour son geste. Tout le monde parle de lui, mais Patrick aime pas beaucoup qu'on le traite comme un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui sauve des vies à chaque jour. Moi, je l'ai fait une fois. Je suis juste une personne qui était là au moment et qui a fait ce qu'il devait faire. Du fait qu'il n'ait pas hésité, puis qu'il ne soit pas tombé en choc, puis qu'il a réagi sur le coup, on est très fiers de lui. Même si à l'école, il y avait des gens qui auraient pu aussi intervenir, c'est un événement qui fait pas mal réfléchir parce que les accidents, ça peut arriver n'importe quand.